Faire un petit tour dehors. Et c'est fermé. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grave, j'ai la clé. Alors, voyons voir. Oh, c'est fou ça. Ah, enfin, j'ai les clés. Allez, on va ouvrir ça. Ça va pas traîner. Ah, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne non plus. C'est pas la bonne non plus. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Non, j'ai pas la bonne clé. Oh non, j'ai pas la clé. J'ai coincé dedans. J'ai coincé dedans. J'ai coincé dedans. Coucou, 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 Papounet. Pourquoi tu hurles? Qu'est-ce qui se passe? Papounet, je voulais faire un petit tour dehors pour profiter du soleil. Ouais. La porte est fermée. J'ai essayé toutes mes clés. Il n'y en a aucune qui est la bonne. Ah, bah mince. Je suis coincé dedans. Je suis coincé dedans, Papounet. Papounet, je suis coincé dedans. Non, mais Papounet, de toute façon, reste là. Parce que j'ai un nouveau jouet à te proposer à base de clés et de serrures et je pense que ça va pas te faciliter la tâche non plus. Hein. Oh, merci, merci bien. Bon, ben on découvre ça après le générique. Bon, ben puisque je reste à la maison, j'enlève mon manteau, c'est pas la peine. Hop là. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Alors, Papounet, ça va? Bah, t'es pas trop déçu de rester avec Mamounette? Bah écoute, si on découvre des nouveaux jouets, je suis pas tellement déçu en fait, au contraire. Et oui, je t'ai promis une nouveauté à base de serrures, de cadenas, de clés. Alors, Mamounette, ça me rappelle quelque chose qui me semble, dans une précédente vidéo, on a déjà eu ce type de jouet avec des serrures à ouvrir, des mécanismes, ça me parle. Est-ce que ce serait pas les Fun Lockettes? Eh oui, Papounet! J'adore. Alors oui, précédemment, on vous a fait une vidéo où on vous a ouvert l'énorme château. Oh, c'était trop bien, hein, Papounet? Oh, ouais, j'ai adoré, avec tout un tas de mécanismes, des tiroirs, des portes à ouvrir. On trouvait une clé qui ouvrait une porte. Derrière cette porte, il y avait une autre clé qui ouvrait un tiroir. On retrouvait encore une clé qui ouvrait... Oh là, c'était génial, c'était génial. C'était trop bien. J'adore. Et ben, du coup, je vais compléter ta collection, Papounet. Cool. Alors, je vais faire passer une édition limitée. C'est le château des secrets. Waouh! Mais il est magnifique ce château. Regardez les petits copains de copines. Franchement, trop bien. Hein oh. Donc dans cette édition-là, Papounet, il y a plus de 20 surprises. 20 surprises? Trop bien. Là-dedans? Oui, là-dedans. Oh, c'est incroyable. Regardez les petits copains de copines. Ici, il y a la clé qui va nous permettre de démarrer le jouet. Et oui, tout à fait. Et alors? C'est pas fini? Eh oui, on va pas s'arrêter au château. On va également continuer avec d'autres Fun Lockettes. Et alors là, c'est la série de... Tadam! Regarde, Mamounette, je fais un gros château. Tadam! Waouh, le château et sa tour, regarde ça. Waouh, c'est génial. On va ouvrir tout ça, Mamounette? Oui, tout à fait. Oh, je suis trop content. Donc ça, ce sont des petites maisonnettes, apparemment, qui ont un thème. Regarde, Mamounette. On a les thèmes. Oui, alors ici, c'est la licorne et ses amis. Alors ensuite, on a Fashionista. Donc ça, c'est sur la mode. Et on a également le salon de toilettage. Trop bien. Donc ça, ce sont des petites boîtes à secrets. Elles sont déjà quand même assez grosses. Hein, ah ouais, dis donc. Oh, je suis trop content. Et ça ne s'arrête pas là. Non. Oui. Il y a encore autre chose. Il y a également des toutes petites boîtes trop mignonnes. Alors en fait, ce sont des petits charmes à l'unité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les petits copains, les petites copines, mais alors les Fun Lockettes, ce sont des petites chaînettes. On découvre des petits charmes dans les petites portes, en fait, à chaque fois. Et on va pouvoir accrocher ces charmes sur la chaînette et se faire des super bijoux. Et bien, en fait, dans ces toutes petites boîtes-là, qui sont en fait des bagues, on a un charme. Trop bien, Papounet ! Trop bien, trop bien. J'essayais de faire une méga tour, mais tout est tombé, Mamounet. Oui, donc ce sont des Fun Lockettes, hein. Ce sont pas le Jenga. C'est oui, pas le Jenga, Papounet. Ouais, regarde, Mamounet. Ah, ah, regarde, ça tient. Regarde, ça, on voit plus rien, ça tient, ça tient. Tada ! Oh ! Balèze, hein. Bon, Mamounette, moi, ce que je te propose, c'est de passer tout de suite à l'ouverture. Moi, je te propose d'ailleurs de commencer par les petits et de finir par le gros. Allez, le château, on le met de côté. Les trois petites maisonnettes de côté et on commence par... Bah, c'est des bagues, Mamounette, regarde. Oui, alors regardez, dans ces tout petits coffrets, nous avons une bague et à l'intérieur, il y a un charms. Et en fait, ces charms, ils ont un degré de rareté. Soit ils sont rares, soit ils sont communs. Wow, donc on a trois couleurs différentes. On a une bague verte, une bague rose, une bague violette. Dedans, il y a des petites paillettes. Ouais, c'est chouette. Dorées. Hein. C'est super beau. Oh, regarde, il y en a deux qui sont tombés. Regardez, les petits copines. Oh, des paillettes. Des paillettes. Mamounette, j'ai envie de me les coller là. Ah, ça a pas fonctionné. Attends. Pour une fois, très bizarre. Ah, ça y est. Attends. Ouais, ça marche. C'est bon. Ça marche. Bon, Mamounette, je vois qu'ici, il y a un petit trou. Est-ce que c'est pour passer la main? Je sais pas. Le doigt plutôt, je sais pas. J'essaye.
Il va tout casser. Je sais pas. Il va tout casser, les petits copains et petites copines. Comment ça marche? Écoute, maman, ça s'ouvre. Et dedans, on a un petit dépliant, mamounette. Oh, sympa. Tiens, je te le donne, regarde. Oh, regardez tous les petits charmes qu'il y a à collectionner. Donc là, on voit des fruits, de la pastèque, du kiwi. Oh, il y a un petit croissant, il y a un petit biscuit, trop mignon. On a une citrouille, une sorcière, un nuage, un escargot, une princesse. Oh, on a des petits animaux, le petit champignon est trop mignon. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on a? Oh, une licorne. On a un palmier, un réveil, un bretzel. Trop rigolo ici. Oh, on a les petites poupées gigognes également. Et puis là, on a des rares, ce sont les rainbows, les arcs-en-ciel également. Oh, regardez, trop beau. Trop cool. Bon, bah écoute, papounet. Mamounette, j'ai enlevé les deux derniers socles, donc dessous, hein. Et donc, il y a aussi le dépliant. De toute façon, c'est la même série, donc ça doit être le même dépliant, oui, papounet. Tout à fait. Et regarde, là, on a accès à ces petits teuteux ici qu'il faut lever, tu vois. Ok. Voilà. Et une fois qu'on a levé, ben, on peut ouvrir. Voilà, on peut ouvrir, j'ai dit. Oh, c'est magnifique, mamounette. Regarde, on dirait des pièces d'or. Waouh, vas-y, colle ton front sur la table. Et mais tu sais quoi, si un jour on fait Fort Boyard, oui. Tu sais, à la fin là, dans la cage avec les lions là, faut récupérer le plus possible de pièces. Ma tête. Et ben moi je te prendrai, je t'attraperai, je collerai ta tête. C'est pas bête. Et comme ça tu seras un aimant à Boyard, papounet. Oui, aimant à Boyard. Bon allez, tu comme une copine, j'ai libéré le premier gemme, donc c'est une petite bague, rien de mamounette. Waouh, elle est trop chouette. Regardez, elle est verte, il y a des petites paillettes sur le dessus également. Wow. Regarde mamounette, il y a une petite clé pour le... Non, attends, il y a une serrure quelque part. Oui. Attends, je la pique parce que je la vois pas, je sais pas où elle est. Moi, elle est juste devant, regardez les petits copains et petites copines. Elle est juste devant, ici nous avons mamounette. Une petite serrure. Essaye de l'ouvrir. Regardez la mini clé, c'est trop mignon, alors ça rentre. Parfaitement. Ça rentre. Parfaitement. Alors ça rentre. Presque parfaitement. Allez, donne mamounette. Oui, bah fais-la, c'est hyper dur. Ah oui, c'est dur derrière la caméra. Bon, alors j'essaye, mamounette, de rentrer la clé dans la serrure. Oui, tu y arriveras sûrement mieux que moi. Alors en fait, mamounette, c'est factice. Quoi? Oui, c'est juste pour faire joli en fait. Oh, d'accord. Ça s'ouvre comme ceci, les petits grosses copines. Regardez. Oh, ça y est, on a accès. Charms. Et c'est quoi, papounet? Alors, c'est une fraise. Non, c'est une orange. Ah, c'est une orange. Bah oui, qui a volé l'orange du marchand, mamounette, regardez. Regardez, c'est trop mignon. C'est trop beau. Franchement, c'est trop chouette. Et du coup, eh ben, en fait, ça s'accroche hyper facilement sur les petites chaînettes, là, comme ça. Oui, facilement. Oui, tout à fait. C'est encore mieux que facilement, facilement. Alors, du coup, c'est une orange et c'est un charms populaire, papounet. Ah, donc, c'est pas un rare. Oui, en fait, les rares, ce sont ceux qui sont arc-en-ciel, rainbow, arc-en-ciel. Quoi. J'espère qu'on va en avoir un. Alors, mamounette, ensuite, tu peux mettre la clé dedans, c'est mignon. Okay. Tu refermes, hop, et tu portes ça en bague. Et regarde, dessus, comme c'est beau. Ouais, il y a des... petites paillettes, regardez, des petites paillettes dorées qui bougent. Voilà. En fait, tout simple. Ok. Voilà. Bon, mamounette, je vois les autres. Hein. Trop, très beau. Je te la laisse, Ok. Alors, il y en a 30 à collectionner, hein. 30 différentes, c'est énorme. Allez, j'ouvre la suivante. Donc ça, j'aime bien quand on ouvre, il y a tout un tas de petites pièces dorées qui tombent. Regardez, j'en ai une sur elles moi. Elles sont toutes dorées à chaque fois. Elles sont toutes dorées. Ah, oui. Okay. Allez, j'y vais, je l'ouvre. Alors, hop, hop, hop. Et voilà. Oh là là. Regardez, regardez, petit comme une copine. T'as tout ouvert, t'as ouvert la bague, t'as tout ouvert. Tout ouvert. Tout ouvert. Elle est pas toute ouverte, mamounette. Elle est toute rose. Oh, et en plus, celle-ci, elle a une forme différente. Regarde, oui, elle a une forme de fleur. Regardez, les petits comme une copine. Voilà. Donc la première, elle avait une forme 1, 2, 3, 4. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexagonale. Et là, nous avons une forme de fleur. Trop mignon. Et alors, pareil, il y a la petite serrure, là. Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas, du coup? T'es tout rouge. En plus, j'ai entendu le bruit. Ouais, ça fait mal. J'étais vraiment cogné. Ouais. Ah, deux. Je vais avoir une bosse, les petits copains et copines. Ah, j'ai très très mal. Tiens, mamounette, voici la clé. Oh, regardez la petite clé, elle est trop mimi.
Bon, alors du coup, je vais essayer de l'insérer, mais je crois que ça sert à rien. Hein. Oui, c'est vraiment factice. Donc, le charme qu'il y a à l'intérieur. Oh, c'est le petit palmier, regardez, trop mignon. Trop cool. Bah, lui aussi, il est populaire, mais franchement, il est chouette. Hein. Voilà. Trop sympa, le petit palmier. Et alors, la troisième, papounet. Alors, une pause, mamounette. Hein. Au fil de la vidéo, vous allez voir, ça va gonfler. Ah, ça va gonfler. Mais t'es complètement foufou. Je suis foufou. Alors, là, c'est tu le vois, là. T'es tout rouge. T'as c'est un petit palmier. Est-ce que lui, il est rare, non? C'est non, populaire également. Populaire. Ok. On passe au troisième, les petits copains de copines. Donc, il suffit de lever les petites languettes qui sont là, comme je vous expliquais. Et voilà, voilà, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et là, nous avons... Ouh, mamounette, je l'ai ouvert par hasard. Je sais pas si c'est un populaire ou pas, j'ai l'impression que oui. Tiens, honnête, je te laisse découvrir. Voilà, regardez comme ça se présente, c'est trop mignon avec la petite clé accrochée. Donc nous allons ouvrir la bague et à l'intérieur, nous avons... Qu'est-ce que c'est? Oh, une petite tranche de pain de mie ou de brioche avec un petit cœur. Regardez, il y a un trou. C'est trop mignon. Franchement, trop bien. J'adore les paillettes dorées, maman. C'est cool, hein, tiens, je t'en mets plein encore. Encore. J'adore. Alors, mamounette, tu as découvert ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce que je voulais dire à nos petits copains et copines, c'est que quand on ouvre, il y a aussi des paillettes à l'intérieur. Regardez bien. Des paillettes. Incroyable. C'est des sympa, paillettes, hein. Des paillettes. Ouais. Bon, ça, c'est sympa. On peut se faire une belle parure sur les doigts, quoi. Une bagouze à chaque doigt, mamounette. Bon, super. Bon, les petits copains et copines, on a ouvert ces petites bagues qui sont bien sympathiques. Maintenant, j'ai envie qu'on passe à ça. Ah bah oui. Allez, on y va. Donc, regardez, il y a une ouverture facile, forcément. Alors, regardez. Si on ouvre tout papounet, j'ai l'impression que ça va être très très longue cette vidéo. Les petits copains et copines, j'espère que vous avez du temps. Ouais. Car nous allons ouvrir tous les fun lockets. Allez, c'est parti. Donc, les fun lockets, c'est très simple. On a toujours au début une clé comme ceci. C'est celle qui va nous permettre de démarrer l'activité. Alors, je vais la sortir, la voilà. Une clé qui se représente. Une clé qui se représente. Elle se présente pas, elle se représente. Tu as ouvert quelle édition, là? C'est l'édition Fashionista. Okay. Voilà. Donc c'est une clé qui se présente sous cette forme et donc nous allons ouvrir. Alors là, regardez bien, petit copain de copine, j'ai une forme de clé, c'est un petit cœur, je ne sais pas si vous voyez. Bah oui, tout à fait, regardez, c'est un petit cœur, donc Papounet va devoir trouver une serrure en forme de cœur qui doit se trouver le long de la boîte. Alors montre-moi la boîte, comme regardez. Elle est belle. Oh, regardez, trop chouette, tout pailleté. Donc là déjà, c'est pas ici, parce que là on a une forme de cacahuète. Ici, non, ça va pas non plus. Oh là là, on va commencer par ici, j'ai l'impression. Ok, tiens, je te le donne dans le bon sens. Donc les petits copains et copines, le concept c'est on trouve une clé qui a une forme spécifique, qui correspond à une serrure. Et comme ça, on trouve petit à petit toutes les clés, on ouvre toutes les portes. Allez, on y va. Donc là, hop, je le mets dedans. Et regardez bien, petits copains et copines, tac, j'ouvre la première porte. Mamounette, c'est un tiroir. Tout à fait, un petit tiroir. Qu'est-ce qu'on a dedans, les petits copains et copines? En général, on a des petits trésors, hein. Et souvent d'autres petites clés qui vont nous permettre d'ouvrir les autres petites portes. Alors, mamounette, regarde. Oh, il y a plein de choses. Oh, c'est trop mignon. Et oui, ce sont des petits sachets en organza à chaque fois. Donne-moi ta main, mamounette. Trop chouette. Regarde, il y a une petite figurine et une petite clé. Regarde. Alors, le thème, c'était fashionista. Hein. Oui. Donc, du coup, nous avons une petite poupée. Oh là là, elle a la pose, hein. Elle est trop rigolote, elle est belle, trop mignonne. Donc le petit charme assez gros quand même, hein, par rapport aux autres. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, ben on a la petite bouteille de parfum. Oh, c'est trop cool. Elle est chouette, hein. On est dans le thème, trop sympa. Et nous avons... Ta-da ! La seconde clé en forme de sac à main. Et alors, là, c'est pas une cacahuète. Une cacahuète? Non, ouais. Tiens, alors, c'est pas la serrure cacahuète. Je vais voir. Ah oui, d'accord. Alors ça, les petits copains de copines, je crois que je l'ai vue. Elle est ici, il me semble. Ouais, qu'est-ce t'en penses? Je pense que tu peux tester. Ça y ressemble, hein. J'essaye. Alors, les serrures se ressemblent, hein. Il y en a certaines. On pourrait se tromper, mamounette, hein. Allez, j'essaye. Donc, j'insère dedans. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Ah, il faut prendre le bon sens, hein. Allez, j'y vais. Et là, on va avoir une porte, je pense. Ta-da ! Pareil, à l'intérieur, nous avons un petit sachet en organza. Il est rose, celui-ci. C'est trop mignon ! Avec des charmes. J'adore. Et une petite clé. Alors, du coup, j'ouvre. Voilà. Donc, nous avons la prochaine clé, toujours en forme de sac à main, mais avec une forme différente. Ok. Nous avons des petites lunettes. Trop sympa. Et puis, encore une petite fille. Pareil, elle prend la pose, celle-ci, hein. Trop mignon, elle est blonde cette fois. Tiens. Pardon, j'étais parti. Ah mais tu vas en manger.
Non. Ah si. Tiens. Alors, la prochaine clé, c'est quoi? Ah, c'est une sorte de L de clé. Oh, on dirait une note de musique, Mamounette. Non, mais t'en as dans la bouche, Papounet. Non, pas du tout. Ah, c'est dégoûtant. Non. Non, mais faites pas ça chez vous, les petits copains et les petites copines. Non, ne faites pas ça. C'est une bêtise. Alors, attends, Mamounette. J'ai trouvé. Regarde, direct. Attention, les petites copines. Encore une part. Oh, qu'est-ce qu'on a? Pareil, encore un petit sachet. Oh, c'est génial. Oh, il est bleu cette fois. Ils ont pensé à tout. Ils changent les couleurs et tout. C'est trop mignon. Et donc à l'intérieur, nous avons une nouvelle petite fashionista. Celle-ci, elle est rousse avec une coiffure différente. Trop mignon. Très très bien habillée, très très bien maquillée. Et puis on a, qu'est-ce que c'est? Un petit accessoire sac à main, j'ai l'impression. C'est sympa. Ok. Et puis on a encore à nouveau une clé. Tiens, je te donne la clé. Ah merci, j'étais parti dans l'euphorie de ces paillettes. Alors les petits copains et les copines, l'astuce c'est de mettre les clés qu'on a utilisées sur le côté pour pas se tromper et surtout de laisser les portes qu'on a ouvertes ouvertes. Mais oui, Mamounette, quand je parle, il y a des choses qui... Oui, on les referme pas, comme ça on peut pas se tromper. Allez, j'y vais. Alors je pense que ça c'est ici. Oui, regardez, c'est une serrure en forme de 8. Hop, c'est parti, Mamounette. Tiroir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, bah, j'ai l'impression qu'il y a un petit sac là cette fois et pas du tout un petit sachet. Oh, oh c'est sympa, un petit sac à main. Trop beau. Ok. Et alors sur le sac à main, il est accroché une petite étoile, un petit charmes étoile, c'est assez sympa. Et pas de clé, Papounet. Pas de clé? Pas de clé. Mais comment je vais faire pour ouvrir ici? Parce que là, il me faut une clé, Mamounette. Tada! Je te fais une blague. Mais oui, il y a une toute petite clé. Tu m'as eu, Mamounette. tu m'as bien eu. Allez, j'ouvre la dernière. Et là, ça devrait ouvrir le couvercle. Alors, je voudrais dire que cette clé est magnifique. Franchement, dire un bijou. Elle est toute petite, trop mignonne. J'ouvre le couvercle, tu crois que c'est ça? Je sais pas, Mamounette, il se passe rien. Mamounette, il se passe absolument rien. Oh, petit copain de copine. Appuie. Je sais pas ce qu'il faut faire. J'essaye, je pousse, je... Ah! Il s'est passé quelque chose, Mamounette. J'ai entendu... Est-ce que tu penses que je peux l'ouvrir? Oui! Regardez les petits copains de copines. Alors là, vous avez un petit miroir en plus. C'est assez sympa. Le petit dépliant. Et puis à l'intérieur, un petit sachet en organza. Et on voit également un cœur. Est-ce qu'il n'y aurait pas une trappe? Tu penses? Ouais. C'est bien possible, Mamounette. Ouvrons la trappe. Ah, oh, j'arrive pas à l'ouvrir, Mamounette. Je pense qu'il y a encore un mécanisme. Mais quel est ce mécanisme? Alors là, les petits copains et les copines... Bon, bah pendant que tu cherches, alors regardez, vous aviez le petit sachet en organza et le petit bracelet. Voilà, la petite chaînette sur laquelle on va pouvoir accrocher tous les petits charms. Sympa, hein? Ça va nous faire un joli bracelet à la fin. Mamounette, j'ai trouvé le mécanisme! C'est bon? Oh, il est balèze. Il faut faire un truc de fou digne du Da Vinci Code. Je t'explique. Faut lever. Ah ouais, d'accord. Chaud, compliqué. Ah ouais. Et alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Un petit sachet avec un dernier petit charms. C'est un rouge à lèvres. Waouh, un rouge à lèvres. Un bâtonnet de rouge à lèvres. Que c'est l'ultime trésor de cette boîte? À mon avis, c'est l'ultime trésor. C'est l'ultime trésor. C'est votre ultime bafouille. Oui. Bon, bah les petits copains et copines, on a découvert tous les trésors de cette boîte. Pendant que Mamounette vous montre ce que c'est, moi je vais attaquer une autre boîte. Ouais, tout à fait. Tu peux y aller, au boulot. Allez, c'est trop beau, trop mignon. Alors, j'ai jeté mon dévolu sur cette boîte-là. Donc là, c'est le salon de toilettage. Ok, donc là, le thème, ça va être animaux. Ah oui, je pense. Donc là, c'est parti. Hop, ça se présente exactement pareil. Nous avons la petite clé qui se situe ici que nous arrachons. Est-ce que c'est la même que celle d'avant? Oui, Mamounette, c'est exactement la même. Ça veut dire qu'on peut interchanger les éclés. Sympa. Les éclés. Oui. J'ai dit les éclés? Oui, tu l'as dit. Bon, moi j'ai dit les éclés. Allez, c'est parti. C'est la contraction de clair, de éclair, de clé. Non, mais ne cherche pas d'excuses. Donc, les petits copains et copines, pareil, je vais mettre ma clé cœur, puisque c'est un cœur, dans la serrure cœur qui est ici. Et je vais tourner. Allez, je la mets dedans. Et en direct live, regarde, Mamounette, c'est parti. Oh, petit tiroir, bah, comme pour la première boîte. Alors, à l'intérieur, petit sachet en organza. Oh, je vois déjà l'animal. Ta-ta-da ! On ouvre, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez, c'est un petit chien. Il est trop mignon. Trop sympa, noir et blanc, comme ça, il tire la langue. Trop chou. Et alors, on a un second charme, c'est un petit peigne. Ouais, il est mignon. C'est sympa, franchement. Mamounette, dis-moi qu'on a une clé. Et du coup, nous avons la clé. La clé. Tiens. En forme de L, de note de musique. Ouais, en fait. Et la clé, c'est une niche, en fait. C'est sympa, ça représente une niche. Cool. Tout est dans le thème, hein. C'est bien tout pensé. Tout à fait. Donc là, on y va, on cherche les serrures. Donc ça, c'est pas la bonne.
ça c'est pas la bonne, et là on a la bonne. Allez, c'est parti. Tu y vas, Mamounette, t'es prête? Ouais, vas-y. Hop, ouverture de la porte. Waouh, encore un animal, trop bien. Oh, c'est trop sympa. J'adore, Mamounette. Alors, encore un petit chien. Regardez comme il est chou, celui-ci, avec ses petites oreilles tombantes et son œil tout noir. Il est chou, hein? Trop bien. Regarde, tiens, papounet. Wow. Et puis, dans le petit sachet, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah, un petit shampoing, un petit produit pour nettoyer les animaux. Voilà, trop cool. Et encore, la clé! Oh, la clé en forme de petite maisonnette. Je pense que c'est une niche. Oui, tout à fait. Hein? Bon, alors, c'est quoi, là? C'est en forme de culbuto. Alors, je vais chercher une serrure culbuto, les petits copines. Ah, j'ai trouvé, regardez, ici, serrure culbuto. D'accord, c'est oui, parti. Tu peux donner ce hein? nom. Si je donne ce nom. Hein. Attention, les petits copines. Hop, je tourne et je tire la porte. Encore un animal. Oh, j'adore, franchement, j'adore cette boîte-là. Le thème salon de toilettage est très sympa. C'est plein de surprises, Mamounette, j'adore. Trop mignon, regardez, vous avez un petit chat. Il est trop chou. Un petit chat et le Charms. Oh, bah c'est un sèche-cheveux. Il est trop bien fait. C'est trop bien. Toilettage, Mamounette. Toilettage. Cool. Et alors, tu sais quoi, Mamounette? Nous avons l'autre clé. Ouais. On peut, c'est des charmes, mais oui. On peut jouer aussi avec. Regarde, ils tiennent. Enfin, celui-là, il tient pas trop. Fais voir si je peux le faire tenir. Un bras, t'as un bras. Non, j'y arriverai, Mamounette. Il ne veut pas. J'y arriverai. Sympa. Alors, Mamounette. Je t'ai vu. Tu as joué au bowling, t'as fait un strike. Bon, c'est génial parce que c'est plein de surprises sans arrêt. J'ai pas de clé, Mamounette. Mais en fait, je te l'ai jeté pour jouer au bowling. Bah, je sais plus. Alors, fais voir. Oui, il me semble que je l'ai jamais utilisé celle-ci. C'est celle qui est en 8. Ah oui, la cacahuète. Et là, on a la serrure en 8. Ok. Alors, j'y vais. Regardez bien les petits copines, c'est parti. Le tiroir va s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a, Mamounette? Alors, c'est pas. Enfin, c'est un sac, mais il a pas la même forme que le premier. Regardez. C'est pas trop rigolo, sérieusement. Trop sympa. Et alors, ça s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a un petit collier en forme d'os. Voilà, avec un petit os en déco. Assez sympa. Et puis, nous avons... Une clé! Une petite clé qui va nous permettre d'ouvrir le gros couvercle. Eh oui, une clé en forme de pierre précieuse. Alors, pour rappel, voici à quoi ressemblait le premier sac. C'est vraiment pas les mêmes, hein. C'est vraiment, vraiment pas les mêmes. Ouais, bah oui. Ils sont dans le thème, hein. Ça c'est un petit sac pour traîner les petits chiens en fait. Hein, ouais, ou les petits accessoires, voilà. Sympa. Allez, trousse de toilettage pour animaux. Alors c'est parti, je prends la clé en forme de pierre précieuse, je l'insère dans la super serrure, et là on va entendre peut-être le cri. Super serrure. Ça y est, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert. Petit dépliant qui s'en va, un petit sachet et le petit cœur. Et donc, à l'intérieur, nous avons un petit bracelet également sur lequel on va pouvoir accrocher les charmes. Trop sympa. Pareil, hein, c'est la même chose que dans la première boîte. C'est trop bien. Et donc, le cœur avec le mécanisme très compliqué. Il suffit de placer son doigt et de tirer très, très, très compliqué. Vraiment, vraiment. Ça a bien mis 5 minutes la première fois. Hein. Allez, au moins, au moins. Et regarde, Mamounette, ce qu'on a. Qu'est-ce que c'est? Un matériel de toilettage pour chien. Ah bah oui, un petit ciseau. Un coupe-ongle, Mamounette, un coupe-ongle. Ça ressemble plus à un petit ciseau, quand même. Tu penses? Ouais. Trop mignon. Allez, on passe tout de suite à la troisième boîte pendant que Mamounette. Mamounette. J'ai vraiment du mal. Mamounette. Tu sauras dorénavant. Mamounette. Oui, alors, Mamounette, je vais ouvrir le troisième pendant que tu montres le petit ciseau. Hein. Regardez le petit ciseau comme il est chichou. Franchement, trop malin. Trop malin. Ok. Donc là, Mamounette, je suis sur la licorne et ses amis. Ok. Alors, c'est parti. Pareil, j'ai tout jeté la Mamounette. Elle est où la clé? Mais attends, mais j'ai jeté la clé avec l'emballage. En même temps, si c'est la même serrure, tu peux réutiliser la clé des deux premières boîtes. Vérifie. Oui, alors regarde Mamounette. Mamounette. Faut que je me rappelle que tu t'appelles Mamounette. Hein. Bah oui. Alors, ce sont des couleurs différentes. Hein. On est un peu plus foncé ici, mais c'est toujours la même serrure. Ok. Donc c'est bien. Si on en perd une, on peut utiliser l'autre. Alors j'y vais, Mamounette. C'est parti. Donc là, on est cœur. Donc cœur, c'est toujours ici. Hop, attention, les petits copines. J'ouvre. Hop, hop. Vas-y, Mamounette. Alors, petit sachet. Wow, trop mignon. J'aime trop. J'aime trop papounet, c'est bah trop oui, rigolo. C'est génial, c'est génial. Alors, nous sommes effectivement sur le thème des licornes. Regardez comme elle est belle. Elle est trop mignonne. Ouais, c'est trop... Oui, trop mignonne. Trop chou. Regardez comme elle est chou. Oh, j'adore. Donc là, pareil, petit charme, hein, on va pouvoir l'accrocher sur le bracelet à la fin.
Et puis là, sur quoi on trouve? Un donut. Un petit donut. Le donut. Oh, trop chou. Mmh, et... donut. La clé. Et alors, cette fois-ci, la clé, c'est une tasse. Tiens. Des donuts. Ah, pardon, j'étais partie dans mes rêves de donuts. Oui, tout à fait, j'adore les donuts, les petits copines. Les donuts au chocolat, c'est ouais, bon. Ouais, c'est bon. Alors, la clé en forme de clé de sol, de note de musique. C'est parti, ma mounette. 1, 2, 3, je tourne et je. Ta-da ! Je plonge la main, je récupère le petit sachet bleu. Et nous allons découvrir ensemble. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Une petite licorne baleine. T'es un narval. Oui, je sais, mais j'aime bien dire licorne baleine. Hé, mamounette. Trop mignon, regardez, vous faites un petit clin d'œil, quoi. Avec un narval, tu penses qu'on peut jouer à la bataille narval? Donc, oui, voilà, la licorne baleine, elle est super belle. Trop mignon, trop cool. Et alors, le second... Charms, oh bah c'est trop rigolo. C'est quoi, mamounette? Oh, trop mignon. Découvert. Ouais, c'est une petite fourchette avec une petite cuillère. Trop mignon. Hé, hey, mamounette, fais voir les couverts. Tiens. Ils sont trop mignons. Et tu sais quoi, aujourd'hui, je trouve que le temps, il est couvert. Bon, tiens la petite la clé, suite, voilà. Voilà, on a rien entendu. Alors là, je pense que ça va ici, voilà. Et pareil, bah, je vais tourner, hein. Je tourne, hop. Et j'ouvre la porte, mamounette. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? La porte s'est refermée, mamounette. La porte s'est refermée. Heureusement, on peut glisser l'ongle ici et la réouvrir. Voilà. C'est du mal, hein. Alors, à l'intérieur, nous avons un petit sachet rose. Oh, ça a l'air trop mignon. Je crois qu'on est sur un petit panda. Un panda. Oui, un panda et pas un pendu. Un panda corne, papounet. Regarde. Trop mignon. Panda corne. En même temps, mamounette. Trop rigolo. Quand on l'aura mis là-dessus, ça sera un panda pendu. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. C'est fatigué. C'est hein. Fatigué et fatigant également. Je suis pas plutôt satisfaisant. Non, pas tellement là. Regardez, c'est une petite tasse, un petit cappuccino avec de la chantilly. Mignon, hein, le second petit Charms. Et alors, tiens. La clé suivante arrive. T'as vu, je me suis décoré. Oui. Hein, c'est de plus en plus belle. Hein. Hein, n'est-ce pas? Alors ensuite, on a quoi? Un 8? Eh ben, allez, c'est parti. C'est pour... la cacahuète. Cacahuète. Un petit tiroir. Et alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme petit sac? J'ai hâte de découvrir. Et j'y arrive pas à l'attraper. Ah, t'y arrives pas, mamounette? Aïe. Bah, vas-y, mamounette. Je j'y arrive pas. Bah, alors, c'est facile. Pourtant, regarde. J'y arrive pas non plus. Oh, mais c'est énorme. Alors, attends, j'enlève carrément. Parce qu'on peut, hein. Ça se déboîte. Ah oui, tu nous avais pas montré et tiens, ça. Tac. Attends, mais c'est tellement gros que ça veut pas tomber, ma mounette. Attends. J'ai récupéré la clé, les petits. Regardez. C'est une petite théière. Trop mignon. Oh, c'est cool. Et alors, je. Ma mounette. Je mets. Mamounette. Comment ça fait? Ça s'ouvre. Moi je sais, moi je sais. Elle s'ouvre en deux. Regardez, à l'intérieur, on a une petite part de gâteau. Trop mignon. Pourquoi je chante? Je sais pas. Bah je sais pas. Je sais pas. Mais mamounette, tu dis que c'est une théière. En fait, on l'ouvre aujourd'hui, c'est une thé aujourd'hui. Pas une théière. Une thé demain. Thé aujourd'hui. Et donc, la petite théière avec le petit rainbow cake, voilà. Trop mignon, vous voyez, il y a trois couches de couleurs différentes. Trop sympa. Et donc, du coup, t'as dû choper la petite clé. J'ai chopé la dernière clé qui va nous permettre d'ouvrir le... Comment on peut appeler ça? Le capot? Un couvercle. Le toit. C'est un toit, en fait. Un couvercle. Le couvercle. Allez, le couvercle. Tac. J'ai ouvert ma mounette. Je fais bien le bruit du couvercle qui s'ouvre. Ah, ouais. Je le fais pas trop bien. Oui. Je peux le refaire si tu veux. Non, ça non va. Bon, d'accord. Merci. Tiens, mamounette. Alors, nous avons pareil. Oh, bah tiens, il s'est fait la malle. Qu'est-ce qui s'est fait la malle? C'est rigolo. Alors, cette fois. Oh, c'est immense. C'est un collier. C'est un collier. Regardez, elle est super longue la chaîne. Oh là là. C'est un petit collier. Et l'ultime charme. C'est une glace. Oh, trop mignon. Regardez la petite glace. C'est trop beau. Eh ben, ça fait... Magnifique. C'est long, hein. Il est où le collier? Il est le collier, il est le collier. Ouais, c'est pas fini, mamounette. Parce qu'il nous reste le château. Tu l'ouvres là, dans cette vidéo, ou tu veux en faire une autre? Je l'ouvre là, dans cette vidéo, les petits copines. Je suis un fou. Ouais. J'adore. Bon, il est fou. De toute façon, on le sait, hein, que t'es fou. Regardez la petite glace, trop mignon. C'est une deux boules, hein. C'est une vanille fraise, voilà. Cool.
Alors tu sais Mamounette, moi j'ai des parfums préférés en glace, hein, je sais pas toi. Oui forcément. Moi j'aime bien la glace Chamallow et Schtroumpf. Malabar. Oh, Malabar. Ça rejoint un petit peu la chose. En fait, tu viens de te tromper, c'est pas du tout Chamallow que tu voulais dire, c'était Malabar. Non, c'est Malabar. Ouais, bubble gum quoi. Ouais, c'est vrai, c'est Malabar. Ouais. Alors, petit pot de copine, hop. Oh, regarde ma moulette. Oh, des J'étais en PLS, j'étais là. Des ciseaux. Où c'est que j'ai trouvé des ciseaux? Mamounette a tout prévu. Donc là, petit copain, copine, tac. On ça va, Krishna, là? Hare Krishna. Hare Krishna. J'en ai partout, alors, Mamounette. J'en ai vraiment partout. Bon, alors là, regardez, petit copain, copine, il y a des trappes dessous. Alors, sur le papier, sur la petite boîte, il y avait écrit en petit 1, ouvre le pont-levis. En petit 2, trouve les charmes, les énigmes et les clés. Après. Ouvre la tour secrète. En 4, sauve la princesse. En 5, libère le dragon. En 6, porte les charmes et joue avec. Mais c'est une véritable aventure. Attends, il y a un concept. Mais c'est une aventure qui m'attend, Mamounette. Est-ce qu'il faut que je m'habille en chevalier? C'est, je suis déjà bien comme ça. Ouais, un vrai chevalier. Ah oui. Chevalier, servant. Donc pareil, Mamounette, derrière, il y a la clé. Je retire la clé. Est-ce que c'est un petit cœur? Oui, c'est un petit cœur, donc là aussi on va pouvoir l'interchanger, Mamounette. Bon, alors là, a priori, il faut que tu ouvres le pont-levis. Un pont-levis, tu sais ce que c'est, Mamounette, un pont-levis? C'est un pont de Daniel Lévy. Ce sera nous! Le pont-levis! À nous! Daniel, ouvrir! Non, Mamounette, enfin! Quoi, Bernard-Henri Lévy? Mais non, un pont-levis, c'est paf, ça se lève, ça se. Ah, Lévis, le jean, c'est un pont avec des jeans. C'est ça? Moi aussi, je peux faire des blagues pourries. Je vous mets ici l'image d'un pont-levis. Non, mais on sait ce que c'est un pont-levis. En fait, vous avez un château entouré d'eau, tac-tac-tac. Voilà. Comme il y a de l'eau, on peut pas passer parce que l'eau, elle est hyper profonde, tu vois. Oui, ouais, il y a des crocodiles dedans. Voilà, donc il y a requins, deux gardes. Des dragons, des baleines. Il y a deux gardes, disons. Des sous-marins. Il y a deux gardes. Deux gardes, ils tiennent le château. Et quand ils acceptent que la personne traverse et rentre à l'intérieur du château, ils font se baisser le pont, tac. Grâce comme à ça. Deux grosses chaînes. Et après, les gens, ils font... On arrive au château. Grâce à deux grosses chaînes. Très belle animation de la main. J'ai adoré. Bon, Mamounette, j'en peux plus, moi, je vais ouvrir. Alors, un pont-levis, ça se représente comme ceci, les petits copains et copines. Hein. Voilà. Donc là, on va l'ouvrir. C'est parti, on va découvrir. Oh, c'est une vraie, véritable aventure, comme je te disais, Mamounette. Hein. Ouais. Oh là là, allez, on y va. Pont-levis. Tudu. Il s'est passé quelque chose. Oh oui, regardez. Donc, c'est exactement ça. Regardez, il est tenu par deux petites chaînettes. Oh. Et alors, à l'intérieur, pareil, on a un petit sachet qui s'est accroché forcément, sinon c'est trop simple. C'est génial. Regardez, il y a des petits charmes dans le petit sachet. Donc nous avons une petite clé. Nous la donnerons à Papounet pour qu'il puisse continuer sa quête. C'est génial. Et le petit charmes, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une petite plante en pot, une petite rose. Oh, j'adore. Alors, trop mimi. J'adore. Alors, Mamounette, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ensuite, on peut refermer les portes et recommencer à l'infini et donc eh ben, transformer cette petite boîte en boîte à secrets. Et ouais, petite chose. Alors, boîte regardez. À bijoux, boîte à secrets, trop bien. Secret. Alors je le refais parce que vous ne l'avez pas bien vu, j'avais ma main devant, regardez. Tadam. Et là je vois bien des petits chevaliers qui sortent dans leurs petits chevaux, là comme ça. Sur des licornes. Sur des licornes. Sur des petites licornes, leurs petites épées qui vont se réveiller, les petites princesses et oxyre les petits dragons. Ouais, tout à fait. Hein, bon, on continue. Donc Mamounette, c'est quoi cette clé? Je vois plus rien, Mamounette. Hein. Ah, c'est une étoile. Oh, on n'a jamais eu de clé étoile, Mamounette. Je cherche. Vois-tu une clé étoile, Mamounette? Oui, elle est juste ici. Ah bah, tu l'as vu direct? Ouais. Bon, d'accord. Ok, bon, bah, t'es plus balèze que moi. Bah, allez, c'est pas de ma faute, t'es devant mes yeux. C'est quoi, c'est une porte, ça? Attends, je fais l'ouverture de la porte du château. Ok, d'accord. Donc, on accède. Il est fou. On accède à un autre petit sachet avec encore une autre clé, tiens. Ah, cool. Et un petit charms, regardez. Trop mignon, c'est une petite licorne encore. Oh, elle est trop mignonne. Attends, il faut la comparer avec l'autre. Oh, sympa. Elle est où l'autre? J'ai perdu. Elle est là, la première. Elle est là. C'est, moi c'est pas la même. Non. Oh, elles sont différentes. Complètement différentes. Cool, hein. Franchement, trop mignon. Oh, ok. C'est féerique. Alors ensuite, la prochaine clé, elle est quoi? Et est-ce que tu crois que je suis la fée Eric? Oui, tout à fait. La, la clé en forme de note de musique. Alors je cherche la clé de Saint-Georges. Mamounette, je ne vois pas de clé. Là, devant toi. Ah, là. Ici. J'ai peur. Ah, ah,
Faut que je perde la clé. C'est une note de musique bizarre, hein, quand même. Voilà, à l'envers. Sinon, c'est à l'envers. J'imagine si je perds la clé dans les douves. Dans les douves du château. Oh, faut aller à la prison après et tout. Ce sont les oubliettes. Celle-ci, elle s'ouvre vite. T'as vu ma monnette? Elle est bien graissée. Tiens, ma monnette, vas-y. Prends ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit sachet trop mignon? Bah, forcément, on a une petite clé avec un petit charme. Donc, la clé, tiens, je te la confie. Moi, je la veux. Prochaine clé. La clé. Et puis, qu'est-ce que c'est le petit charme? C'est un petit arrosoir trop mignon. Oh, le mignon! Oh, ouais, avec une petite couronne dessus. Hyper sympa. Et tu sais pourquoi c'est un arrosoir? Cool. Parce qu'il faut arroser la plante. Oh, ouais. Forcément. Ouais, oui. Bon, ma mounette. Là, c'est un triangle. Regardez les petits copains de copines. C'est une clé triangle. Il va falloir que je trouve, eh bien, la serrure triangle. Alors là, ma mounette, c'est bizarre parce qu'on a tout ouvert. Oui, sur le dessus, papounet. Sur le dessus, tu crois? Bah oui, regardez. Alors là, on accède rapidement au dessus. Hein. Mais j'ai vu qu'il y a des choses dessous. Hein. Bon, j'y vais, ma mounette. Je me mets en face pour que vous voyez bien ce qui se passe. Attention, les petits copains de copines, vous allez voir en direct live. Je suis sûr qu'il va rien se passer. Je sais pas. J'y vais. Il se passe. Ah, il se passe rien, ma mounette! Ça a rien ouvert dessus, par exemple, on sait jamais. Ah, c'est dans l'autre sens. Il faut trouver dans quel sens on ouvre. Mais ma mounette, il se passe rien. Oh là 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 là, les petits copains de copines. Oh là là. Ah, ça y est! Ça y est! Ça y est! J'ai démonté le toit du château! J'ai démonté le toit du château, ma mounette! Alors, on retire le couvercle. Et on a tout ça. Je vois absolument rien dans mon net parce que là, je ne vois pas. Hein. Bah, c'est rigolo, regardez, vous avez des petits bouts de carton, là, ok, avec des petits charmes dans chaque petit trou. Alors, déjà, nous avons un petit chat, un petit Royal Cat, quoi. Royal Cat? Ouais, parce qu'il a une petite couronne, trop un mignon. Royal? Ouais. Allez, regarde ma monnaie, ce que je vais faire. Hop, on va tous les regarder à la fois. Il doit en rester trois, non? Ouais, tu as... j'en ai deux, et troisième est là. Un petit cupcake Royal aussi, Royal Cupcake. Ok, qu'est-ce qu'on a là ensuite? A bird, un oiseau pas royal celui-là, il a pas de couronne. Hein. Pas de couronne, mais il est très mignon, trop rigolo. Et le quatrième? C'est une bouteille de lait. Oh. une bouteille de lait, bah oui, hein. C'est pas parce qu'on est prince ou princesse qu'on boit pas de lait. Hein. Trop mignon. Petite briquette de milk. Okay. Ah, il y a encore un système, t'avais pas de clé? Moi je tournerais le... Mais oui, regarde. Oui. Il se passe des... Voilà. Eh ben ça doit ouvrir dessous! Pas du tout, maman. Pas du tout. Par contre, on a libéré ça, là. La porte. Ah bah oui. La grille. Alors, soulève la grille. Et oui, parce que c'était coincé par le toit. Mais comme on a enlevé le toit, on a réussi à ouvrir la grille. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la grille, mamounette? Alors, je sais pas, papounet, qu'est-ce que c'est, à ton avis? Je sais pas. Oh, nous avons une sorte de grimoire. Oh. Un livre ancien, le livre du château. Non, mamounette. Une tour. Il est pas gris, il est rose, c'est un rosemoir. Ah, ah, ah. Oh, rosemoir. Donc, du coup, on va l'ouvrir et qu'est-ce qu'on va découvrir? Il doit s'ouvrir comme ceci. Dis-moi qu'il y a une clé. Oui, tout à fait, il y a une clé et il y a également... Un petit charme baguette magique en forme d'étoile. Oh, un sceptre. Il est super beau. Franchement, trop mignon. C'est magnifique. Et donc, tiens, l'ultime clé. Ah, je sais pas si c'est l'ultime tiens, clé. L'ultime. Mamounette, donne-moi cette clé tout de suite. Bah tiens, mais pourquoi tu l'attrapes pas aussi? Je vais faire appel à mes pouvoirs magiques, ça continue. Hein. Ah, voilà, merci. Tiens. Ah, t'as flippé là. Regarde au fond, on a une serrure. Oh, trop cool, regardez, elle est juste là, la figure. Mamounette, tiens, vas-y, je te laisse la primeur d'ouvrir cette porte. Alors, tac. J'insère la clé. Je tourne dans le sens horaire. Oh, ça a fait se lever la tour. Oh là là, alors attends ma mounette. Attends ma mounette, c'est passé un truc là. Regarde, la tour s'est levée. Je t'explique, c'était comme ça. Je vous montre les petits copains de copines. Hein. Alors je remets la clé. Je vois rien du tout avec cette chaîne là que j'ai sur les yeux. Je remets la clé. Regardez les petits copains de copines, ça va faire lever la tour. Regardez bien. Lève-toi la tour. Bip. Ah oui. Bip. Bip. Et plus on donne des coups de clé, plus elle s'élève. Arrête, c'est la vrai tour s'est levée. Trop rigolo. C'est rigolo. Et là, regarde ma mounette, il se passe quelque chose, non? Bah attends, il y a une porte. Tu penses qu'on peut tourner ça? Bah non, mais il y a une porte. Attends, j'essaie de tourner. Qu'est-ce qui se passe, ma mounette? Rien du tout. Ah si, ah si, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons sauvé la princesse. Elle est là? Ah oui, elle est juste ici. Je continue de tourner. Regardez, non, bah non, bah non, bah non. Je vais l'attraper. Attrape-la. Je vais la sauver. Allez, sors! Mais elle veut pas venir! Bah elle est bien! On t'a sauvé, hein! Elle est vachement bien dans sa tour de château, ma mounette! Bon, je la sauve, les petits copains de copine, je sauve la princesse! Y'a la princesse! Ah bah oui, elle était accrochée! Et tu sais quoi, ma mounette? C'est quoi? Pas qu'une princesse! Quoi? Non, ce n'est pas qu'une princesse! Elle est chouette, hein!
Trop mignonne. Trop cool. C'est quoi? C'est également une clé. C'est une clé. Regardez. Trop cool. Trop cool. C'est un petit carré au bout. Là, on se dit, mais il n'y a plus rien à ouvrir. Va dans les oubliettes. Regardez dessous. C'est peut-être le dragon, ma mounette. J'ai encore des trucs d'or dans la bouche. Oui, non, mais c'est pas grave, ça. Serrure carrée. Allez. Clé carrée. Vous voyez le rapprochement? Serrure carrée. Clé carrée. Rapprochement. Oui, c'est bon, ma mounette, tu vois? Oui, c'est bon, je clé carrée. Serrure carrée. Rapprochement. Ok. Allez, c'est ça. Parti. On ouvre. Petit coup avec une copine. En direct live, je libère le dragon. Et j'espère qu'il est cool, le dragon. Oui. Parce que s'il s'envole là et qu'il nous crame... Mais non, c'est pas une loquette. Tac. Hop, ça a libéré la petite grille. Et à l'intérieur de la petite grille, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, d'accord, ok, non. Il est pas méchant du tout. Regarde, Papounet, comme il est tranquillou. Oh, ouais, il est trop mignon. Il est trop chou. Oh, il a bien mangé, hein. Ce petit air sympa, là. Oh ouais, il a un bon bidon. Trop rigolo. Et donc du coup nous avons également le petit bracelet, la petite chaînette. Trop cool, tiens. Oh, bah c'était trop bien cette ouverture de Fun Locust. Ouais, tu as réussi ta dernière mission, hein. Ouais, j'ai libéré la princesse, j'ai libéré le dragon, j'ai libéré les animaux, j'ai tout libéré, délivré. Je mentirai plus jamais. Elle était facile, celle-ci. C'était facile. Les petits comics copains, on espère que cette ouverture de Fun Locket vous a plu. Sachez que c'est désormais disponible en magasin, donc il suffit de se le procurer. Voilà. Oui, c'est Gadé qui fait ça, Papounet. On les remercie très fort de nous avoir envoyé ces petits échantillons. Comme ça, on peut vous les faire découvrir. Oui. Et puis nous, on les découvre aussi parce qu'à chaque fois, c'est une découverte. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Tout on essaye. Hein, on ouvre des clés et tout. Bon, voilà. On ouvre des clés, on ouvre des portes avec des clés. C'est mieux? C'est mieux. Bon, les petits copains, petites copines, on va se laisser. Gros bisous. Likez, partagez, commentez, soyez sages, abonnez-vous. Et puis amusez-vous. On sait sur quoi, moi j'ai envie de me laisser sur le dragon. Allez. Les petits gros bisous. Dragons fait une loquette. Le dragon, le dragon, le dragon, le dragon, le dragon, le dragon, le dragon.